Oh, bah, c'était à la fin de l'adolescence, hein, je pense. Ouais. Comme tous les enfants, on nous offre des livres, mais aucun ne me plaisait. Il a fallu que je trouve ceux qui m'intéressent. Avant ça, je m'intéressais à la bande dessinée. Puis à un moment donné, la bande dessinée a cessé de me nourrir, puisqu'elle s'intéressait quand même qu'à des problématiques assez limitées. Et donc c'est là où je suis passé à la littérature. Pour un moment après, revenir à la bande dessinée en me disant que peut-être ça pourrait être quelque chose d'aussi intéressant que la littérature si elle voulait bien s'en donner la peine. Il y a quand même quelque chose de cet ordre dans Ego Comics parce que quand je parlais d'une famille d'écrivains tout à l'heure, là, il y a aussi une idée de communauté d'esprit. C'est-à-dire que les auteurs qui sont publiés dans la maison d'édition, je pense, ont des choses à se dire les uns les autres et ils viennent pas se faire publier ici par hasard. C'est important, effectivement, au tout début, qu'avec Xavier Musa, Fabrice Nault, Vincent Sardon. D'ailleurs, on le voit dans les premiers numéros de la revue, c'était effectivement assez collectif parce que les uns paraissaient dans les histoires des autres et inversement. Il n'y a pas seulement le fait qu'on s'autorisait à tout dire, c'était une chose qui pouvait être parfois adoptée en bande dessinée, dans des cas assez précis, mais il y avait toujours une réserve concernant un certain nombre de sujets qui étaient abordés on ne peut plus largement en littérature et que la bande dessinée jusque-là évacuait ou bien utilisait uniquement sur le plan fantasmatique, hein, par exemple le thème de la sexualité qui fait partie la vie intégrante de chacun, eh ben, ce n'était plus que des fantasmes d'ado boutonneux, et ça n'avait rien à voir avec ce qui se passait dans la vie. Et donc c'est pour ça que, et alors que, voilà, dans n'importe quels autres arts, on parle de sexualité. Donc enfin, il était important aussi d'avoir une totale liberté par rapport à ça. Avant que par exemple Fabrice ne publie le journal, on n'avait jamais vu dessiner d'une manière réaliste des rapports sexuels entre hommes ou une masturbation ou je sais pas quoi. C'était souvent traité avec une approche underground, trash. Ça n'avait rien de réaliste, hein. C'était aussi de l'ordre du fantasme, un fantasme graphique. À l'exception peut-être de Crumb, mais encore, il y a chez lui une forte donnée fantasmatique. Donc voilà, il s'agissait de parler comme le faisait, je sais pas moi, Renaud Camus dans Trix, ou bien Mazenève dans son journal, ou Calafert dans La mécanique des femmes, ou j'en sais rien. Il était question de pouvoir tout aborder, quoi. Alors, des réticences. Ah oui, non, je vais le pousser, oui, je vais lui dire, mais vas-y, vas-y à fond, allez, hop, et puis fais-le, et puis après on verra si. Oui, parce que souvent les auteurs se posent la question, ah oui, mais si je raconte ceci et tout ça, avec ma famille et tout. Je dis, mais écoute, de toute manière, ils sont dans un processus de création. La plupart du temps, ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils fassent ça. Simplement, ils sont. Justement, c'est ce genre de réticence qui les bloque et qui font qu'ils risquent de faire une œuvre qui ne sera pas bonne ou qui sera timide ou bien qu'ils risquent de ne pas la faire du tout.
Donc moi, ce que je leur dis, c'est allez-y, vas-y, mais vas-y, dis ce que tu as à dire, et puis après, on verra, en fonction de ce que ça aura produit, enfin, je veux dire sur le papier, hein, avant que ce soit livré au public, et bien là, on envisagera si ou non, mais l'important, c'est de le faire. Et le plus souvent, une fois que c'est fait, ils s'aperçoivent que... ce qu'ils n'osaient pas dire, maintenant qu'ils l'ont dit, ben non seulement ils sont contents de l'avoir dit, mais en plus ils l'assument, et puis ça pose aucun problème pour le... Et que c'était pas le fait de... c'était qu'il fallait franchir cette réticence, et aussi pour eux, d'un point de vue personnel. Comme dirait Marc-Édouard Nable, plus on connaîtra ma vie dans les moindres détails, plus je me sentirai libre. Le moment où je choisis de publier un livre, je sais pas, c'est comme une intime conviction. Ça me vient comme ça. Je me pose pas la question, bon, après l'avoir lu, est-ce que je le publie ou est-ce que je le publie pas? Il y a l'impression qui vient au fur et à mesure de la lecture, quoi. C'est comme quand on tombe amoureux, quoi. On sent venir le truc. Puis bon, c'est même pas la peine après de se dire, bon, est-ce que je suis vraiment amoureux ou pas? On le sait. Et puis, se poser la question, ça n'a pas de raison d'être, quoi. Voilà. J'avais dans les mains plusieurs textes et j'avais dit donc j'avais le texte de Lionel Tran, il y a Virginie Cady qui m'avait envoyé le livre qui est devenu l'illusionniste enfin pour faire simple c'est que je commençais à avoir trop de textes de littérature qui m'intéressaient à qui les auteurs de ces textes, je leur avais tous dit, bon écoutez, si j'étais éditeur de littérature, je le ferais tout de suite, mais bon, c'est pas le cas. Et puis bon, quand j'ai eu trois textes de cet ordre, je dis, bon, ça commence à bien faire, pourquoi je le publierais pas, puisque voilà, rien m'en empêche, donc voilà. Voilà, c'est une accumulation de J'y étais poussé. Parce que. Mais c'était comme quand. Comme avec. Comme lorsque Ego Comics publiait qu'une revue, et puis qu'à un moment donné est arrivé le journal, et ben là, il n'y avait qu'une chose à faire, c'était le publier, point. Et donc là, c'était un peu la même chose. Voilà, je me suis. C'est les œuvres elles-mêmes qui m'ont poussé à le faire. Par exemple, là, le livre d'Amorina Vinclair, il est époustouflant. C'est impensable, un livre comme ça. Donc là, oui, dès que j'ai eu le manuscrit entre les mains, j'ai dit, c'est le livre que j'attendais. Je ne savais pas ce que j'allais publier à la suite des premiers titres. Mais je dis, bah, ah, bah, là, oui, d'accord, là, ça se pose là. Il n'y a pas... À tortiller, il faut absolument publier ce livre. De mémoire de lecteur, j'avais jamais lu un truc comme ça. Donc voilà, c'est ce genre si ça déclenche pas un enthousiasme, une envie chez moi, où je le fais pas, un livre qui sera juste tout aussi bien, ou légèrement mieux, ou légèrement moins bien que tel autre. Non. Autant en bande dessinée, on pouvait dire oui, je vais vous montrer ce que c'est, et puis je vais dans une certaine mesure essayer de faire révolutionner un peu quelques conceptions. Autant en littérature, non, évidemment, je ne peux pas dire ça. C'est pas possible. Non, non.
on ne sait pas dans quelle mesure c'est pas des voilà, c'est souvent des rencontres entre les gens, l'émulation qui fait que si les gens telle personne s'était pas rencontrée, eh ben les choses se seraient peut-être pas passées de cette manière. Est-ce que si notre route ne s'était pas croisée, est-ce que Xavier ferait de la bande dessinée ou Fabrice ferait de la bande dessinée? Je sais pas du tout. Est-ce qu'il ferait la même? Peut-être pas. C'est curieux comme alchimie des fois ce que produisent les rencontres. Et est-ce que toi, tu serais éditeur? Ah oui, non, parce que j'ai été éditeur par hasard, donc non, mais c'est vrai en plus. Ah oui, c'est vrai ça. Bah ouais. Non, mais t'as raison, bravo, hein. Parce que s'ils ne m'avaient pas donné envie de publier leurs livres, non, je n'aurais pas été éditeur, moi, l'inverse d'un certain nombre qui montent une maison d'édition en disant « Ah, je veux être éditeur », et puis après, ils s'inquiètent. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir publier, bon sang? Et puis, ils essayent de remplir avec tout et n'importe quoi. Non, non, moi, c'est que j'avais les œuvres, et puis, ils disent « Bon, bah, ok, personne ne veut le faire, il va falloir que je le fasse, d'accord, ok. » Donc, je le fais. Mais c'est parce que j'étais obligé, hein. Moi, je voulais pas. Non, mais c'est vrai en plus. Hein. Oui, non, c'est vrai, j'ai jamais voulu être éditeur, non, non. C'est trop difficile.